tant qu'on n'arrivait pas à prendre les 3 points, c'est très bien. Je pense qu'on a vu un bon match, un très bon premier mi-temps, deuxième mi-temps différent. Mais ça m'a plu. Le premier mi-temps, il y avait des occasions de part et d'autre. C'était vraiment un bon match. Je pense qu'on a très bien rentré. Auxerre aussi. Le match c'était un match très équilibré. Les deux équipes jouaient bien. Et on a eu la réussite de marquer, mais les Auxerrois aussi ont eu l'occasion. C'est ça, sans perdre l'organisation, les deux équipes ont réussi à bien jouer, à déstabiliser chaque système défensif. Et ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça m'a plu, il y avait de qualité dans le jeu, différent du deuxième temps. C'est notre deuxième victoire à l'extérieur. La première, c'était 3-2. Je pense que le coup à faire, c'est prendre 3 points. Dans un championnat qui est très équilibré, très serré, c'est ça. Je pense qu'on a. C'est l'un de nos meilleurs matchs sur le plan collectif, c'est l'un de nos meilleurs matchs parce que je pense qu'on marque un joli premier but parce qu'on fait une dizaine de passes avant de tirer. Et puis après, on a proposé et c'est vrai qu'on a souffert un peu plus en seconde mi-temps, mais bon, c'est normal parce qu'on joue à l'extérieur en gagnant 1-0, c'est normal que l'Auxerre pousse un peu. Et puis après, on aurait pu essayer de mettre le second but qui aurait été fatal pour eux. Je pense que. Ça fait 5-6 matchs qu'on est bien, qu'on prend confiance parce qu'on prend confiance souvent avec le travail, avec le résultat. Et c'est vrai que on a gagné des matchs difficiles et ça nous a donné confiance. Et avec la confiance, c'est plus facile de jouer. C'est bien parce que défensivement, on arrive à très bien défendre. Et puis c'est vrai qu'offensivement, depuis 6-7 matchs, on retrouve le fond du filet, on est plus à devant le but. Et ça nous permet de gagner les matchs. Par rapport à l'année dernière, c'est vrai qu'on s'est beaucoup, beaucoup amélioré sur le plan collectif. On arrive à être un bloc unique et ça, c'est ce qui fait la différence. C'est une sensation inhabituelle, on va dire, mais c'est vrai que c'est une très bonne sensation. Et puis voilà, maintenant j'ai fait le match que voilà qui voilà. Et puis j'ai pas grand-chose à dire. Hein, c'est juste que j'ai profité du moment et puis voilà. Tu t'es bien senti là? Ben, d'entrée, oui, parce que avant de rentrer, quand j'entends le coach et tout le banc qui me dit comment l'entraînement, donc c'est clair que d'entrée, ça me met à l'aise, quoi. Je veux dire, ben, je vais faire comment l'entraînement, tout simplement. Franchement, ils étaient très costauds, très en place, surtout défensivement, on était bien en place. Le bloc, il était, comme il a demandé le coach, assez haut. Donc je pense que c'est ça qui nous a fait gagner le match. Je crois qu'on a fait un bon match dans l'ensemble, on a fait une bonne première mi-temps. Après, on a un peu souffert en seconde, surtout en début de deuxième mi-temps, on est mal rentré dans cette seconde partie, mais on a bien tenu, on a bien défendu tous ensemble. Et, voilà, je pense que dans l'ensemble, c'est une victoire méritée. On a été solidaires dans tous les compartiments, que ce soit devant ou derrière. On a fait les efforts tous ensemble et à l'arrivée, ça a payé. On sait qu'il reste, il reste 3 matchs avant la trêve. On va essayer de faire le meilleur parcours possible. On sait qu'on a des matchs. On a un calendrier plutôt favorable puisqu'on va recevoir Sochaux et aller se déplacer à Valenciennes. Donc c'est des matchs qu'il faut gagner si on veut espérer faire quelque chose de bien dans le championnat.